Salut Flo! Salut Nico! Bah, qu'est-ce que tu nous prépares là? Je prépare mes vacances. Petit coquin. Parce que c'est ce soir. T'as bien du bol. Tu pars combien de temps? Oh, 3 semaines. Tu vas me laisser tout seul quoi. Ouais, c'est pour ça, regarde. Okay. J'ai de quoi te présenter les packs vacances. Donc sur les bagagères. Ouais. Donc on peut avoir de la 150 à la 230. En simple ou en double essieu, suivant les modèles. Ok. Donc ce sont les packs vacances qu'on comprenne quoi? La roue jockey, le capot ABS et ses barres de toit. Les barres de toit qui supportent 100 kg, galvanisées à chaud. Le capot ABS avec un renfort à l'intérieur qu'on verra tout à l'heure. Et la roue jockey pour le déplacement beaucoup plus simple. Ah, c'est un joli pack. Ouais, ils sont vraiment sympas. Tu nous en montres une en détail? Allez, on va commencer par la petite. Si tu veux. Allez. Donc la petite, elle fait en dimension utile 1 m par 1m50. C'est une remorque 500 kg avec un essieu 750. Ouais, il y a des grandes roues en plus, je vois ça. Ouais, ce sont des roues autoroutières. Donc on peut prendre l'autoroute sans aucun problème avec. On a un châssis galvanisé à chaud. Hey. On a des feux encastrés derrière pour les protéger. On a un système de fermeture à clé pour le capot ABS qui nous permet de nous arrêter aux aires de repos en toute tranquillité. Donc on a des vérins pour nous aider aussi à soulever le capot. On a bien le renfort à l'intérieur que je parlais tout à l'heure, juste ici. On a un plancher antidérapant en contreplaqué marine, des anneaux de sanglage, donc 4 à l'intérieur. La ridelle arrière peut s'ouvrir aussi. Et donc ça, sur les 4 remorques qu'on voit là, donc sur tous les modèles. La seule différence va être la taille. Ok, donc, c'est quoi l'intérêt du plancher bois? Je lui pose une cale exprès. En fait, l'intérêt du plancher bois, c'est que ça sonorise beaucoup quand on roule. C'est antidérapant. Et ça change facilement. Et ça change facilement. Donc, c'est-à-dire que c'est une remorque qui va quand même durer longtemps dans le temps, avec le capot en plus. Donc, c'est-à-dire que là, vous l'achetez pas, c'est pas du consommable. Vous l'achetez pour 10-20 ans. Surtout que le capot est étanche, vous avez un petit peu d'humidité qui peut rentrer dedans sous une grosse, grosse pluie battante. Ouais, c'est vraiment sur autoroute, voilà, c'est ça. Sinon, du coup, bah, après, on peut l'avoir sur d'autres modèles. Donc là, 170 par 1m22, donc ça, c'est la taille juste au-dessus. Ça, moi, personnellement, c'est la taille que je préfère. Ouais, elle est pas mal, ça fait un bon compromis. Ça fait pas trop grand, pas trop petit. À stocker à la maison, c'est plutôt simple. Donc c'est vrai que là, celle-ci est vraiment pas mal. Après, on passe sur 205 en longueur par 122 de large. Donc, même largeur, juste plus long. Ok, et donc c'est là qu'on voit qu'on peut mettre 4 vélos sur une 122, quoi. Voilà, là on peut mettre 4 vélos sur une... C'est pour ça que nous, on a mis nos vélos sur cette taille-là. Dessus, pour vous montrer un petit peu, c'est des vélos adultes, hein. Et donc ça rentre sans souci. Et c'est là où on se rend compte de l'utilité des vérins. Et ouais, les vérins, ils tiennent. C'est-à-dire que les vérins tiennent et on peut charger la remorque tranquillement sans avoir peur de se faire découper. Et donc celui-là, vu qu'il est plus grand, il y a 2 renforts dessous. Je filme un peu moins bien que Florent, mais c'est pas mal. On voit que sur les 2 mètres, il y a aussi 2 fermoirs. Ouais, il y a un super kit déco. Moi, j'aime bien les couleurs. Ouais, ça fait vachement vacances, c'est bien pour les packs vacances. C'est flashy, c'est flashy. Et donc après, en notre modèle, donc on va avoir la 2m33 par 1m32. Et du coup, en simple ou en double essieu. Celle-ci existe dans les deux modèles. La simple essieu, bon, on n'en a plus en stock, on va en recevoir très prochainement. Mais du coup, le jour de la vidéo, elles sont déjà là. Ouais. Voilà, et du coup, on a quand même, il y a aussi les 2 essieux. Les accessoires sont les mêmes parce qu'elles font exactement les mêmes tailles. La différence, c'est qu'il y a une simple et une double essieu. Et c'est quoi l'intérêt de la double essieu pour toi? Alors la double essieu, ben, si vous crevez, vous avez encore 3 roues, donc vous pouvez finir la route jusqu'à chez vous, ce qui est déjà pas mal, ou jusqu'au garage. Ouais. L'autre avantage, c'est que vous allez être plus stable et ça répartit mieux la charge. Donc moi, je dirais que c'est pour les gros rouleurs. Oui. Ceux qui roulent beaucoup, aussi, ouais. Qui veulent la sécurité et qui veulent rentrer avec un peu de souvenirs de vacances. Quoi. C'est ça. C'est sympa. Hop.
Bah, donc, il y a un vérin qui pendouillait. Ouais, c'est qu'il a pas été. Voilà. Alors, en fait, c'est qu'on l'a pas mis volontairement. Hein, c'est tout bête. C'est un renfort pour les 4 vélos. C'est ça, parce que si nous, pour 4 vélos, du coup, ça va bien, mais pour 2 vélos ou rien, en fait, à fermer après, c'est un peu raide. C'est un peu raide. C'est vraiment très raide. Et on n'a pas dit, mais les simples essieux, elles sont aussi basculantes quand même. En fait, toutes les remorques sont basculantes. Alors, la double essieu, c'est beaucoup plus délicat. À faire basculer, vaut mieux éviter d'y penser. Mais oui. Du coup, sur toutes les simples essieux, elles sont basculantes. Bah, je vais te montrer comment on fait. Ouais, attends, je passe entre les vélos. Donc, on a une petite goupille à l'avant qu'on défait. On défait le crochet. Et voilà. Et comme ça, hop, regardez. Alors, je suis pas Spielberg, mais là, on voit tous les renforts de châssis. Tout en galva à chaud. Donc, c'est vraiment bien épais, c'est bien costaud. Ça peut largement servir aussi à bricoler dans la maison si vous enlevez le capot. Sinon, le capot, il est juste mis pour des travaux, pour du jardinage. Sur charnière. Il peut servir pour tout et le capot est enlevable relativement facilement. Oui, elle coûte combien cette petite bagatelle? Eh bien, je vais te dire ça. J'espère que tu nous as fait des beaux packs promo. Hein. Viens voir, on a une belle affiche ici. Donc, pour la petite, 150 par 100. Donc, on est à 1190 au lieu de 1484. Pour la Saragosse, on va être à 1290 au lieu de 1555. Donc, ça, c'est la 1m70, c'est ce modèle-là. La Venise en 2m05, donc celle où il y a les vélos. On est à 1390 au lieu de 1744. La Palerme, du coup, c'est la simple essieu, la version simple essieu de la grande, qui est à 1749 au lieu de 2092. Et donc la grande qu'on a vue en double essieu, la Florence, à 1890 au lieu de 2361. Ça fait quand même des belles remises, là. Ça commence à faire des belles remises, c'est vraiment intéressant. Et ça permet de, voilà, de partir en vacances avec un budget relativement raisonnable. Et donc, où est-ce que tu peux les retrouver, ces remorques? Chez nous. Alors, ben nous, on est à côté de Brest, à Guy Pavard. Vous pouvez également retrouver ça sur notre site internet. Et sur nos réseaux sociaux. Ouais, et vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail flo@remorque-center.com. On essaie de répondre à tous les commentaires et tous les mails dans la journée. On essaie de faire au plus vite. On travaille quand même un peu, donc on prépare des remorques et on les répare. C'est ça. On essaie de faire au plus vite. Et on ne peut pas en louer par hasard? Alors, si, justement. On a à peu près tous ces modèles-là en location. Qu'on peut louer, du coup, à la demi-journée, à la journée, ou après pour beaucoup plus longtemps, si vous partez en vacances aussi. Donc avec des capots aussi, les barres de toit. Prêt à partir. Ok, et bah, c'est cool. Bonne soirée à toi. Bonne fin de journée. À dans 15 jours. Au revoir.